Vous avez cru que c'était dans la musique, ça, non? Bien sûr que vous avez cru que c'était dans la musique, voyons. C'était parfait. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment sur ce stream. Voilà, merci de me récompenser. Éternellement. Merci de reconnaître le talent. 2 au cube égale 8 mois d'abonnement et 23 ans aujourd'hui. Une coïncidence, je ne crois pas. Sinon, bonsoir tout le monde. Il arrive à lire 2 au cube. La voix arrive à lire 2 au cube, mais il arrive pas à lire coïncidence correctement. Je trouve ça fou. Ah mais non, mais t'as mal écrit aussi, t'as écrit coïncidence. Du coup on est entre coït et coïncidence, c'est très perturbant. Une belle façon de commencer le stream. Merci Exoplasma pour les 2 au cube. Ça me fait plaisir. Sur le Twitch j'ai cru lire pour l'écologie, heureusement que c'est contre. Je n'aurais jamais cliqué. Écoute, c'était mon petit trait d'esprit, voilà, mon petit trait d'humour, voilà. Tous ensemble contre l'environnement. J'avoue que j'aurais pu être contre l'écologie, c'est encore plus direct, mais je trouvais ça drôle, tu vois. J'attends de voir si ça va être... si ça va attirer des gens qui sont premier degré dans tous les sens du terme. Tu sais, ce genre de mecs qui sont sur les pages de mèmes et qui sont sérieux à propos de tous les mèmes, tu sais. On y voit un mème qui passe, il commente « Non mais ça c'est pas vrai !» C'est un mème quoi, genre, c'est ironique, c'est, calme-toi quoi. Le mec qui vient de politique autour de ça. Par contre les gars, il y a une mise à jour, hein, voilà. Je tiens à vous le dire, ce jeu-là il est sorti il y a 18 ans. Il est sorti, j'étais un enfant et maintenant je suis un homme, il y a toujours des mises à jour. Attends, on peut genre... je pense moi que c'est carrément un nouvel épisode, hein, on va voir. Ah non, hotfixed. C'est ça, mise à jour mineure. Attends, c'est une mise à jour mineure de PUBG ça, je les connais celle-là. Mise à jour mineure qui fait 865 mégas, c'est pas mineur pour moi. C'est pas un hotfix quoi. Il y a tant de bugs que ça dans ce jeu. Oh, c'est stylé ça. C'est joli. Ok, bah écoute, je croyais moi que ça va être un nouvel épisode. Bon, on s'en fout en soi, hein, parce que les épisodes durent assez longtemps pour qu'on fasse un épisode par stream. Donc, et il est à jour là, le jeu, c'est bon, hein, c'est allé vite. Je l'ai mis un peu avant quand même. Je l'ai mis un peu avant, Dark Blades, ok. Celui qui jette la première pierre là, j'espère que ce sera la dernière. Il fait froid hein, quand même là, non? Il fait froid, sa race. Yo, Toxoplasmos, tranquille ou quoi? Salut à tous, hein. J'espère que vous allez bien. Merci Nyan pour les résumés. Merci pour le Stropol aussi. Ne cherchez pas à reproduire en grandeur nature ce que vous avez appris dans The Long Dark. Putain, ils ont cru que c'était Bear Grylls, t'es. Ils te mettent les mêmes messages que Man vs Wild. Putain, d'ailleurs, j'ai essayé le truc de Bear Grylls là, sur Netflix, là où tu fais les choix sur sa survie. C'est complètement con, ce truc-là. Hein. Il faut appuyer sur une touche, putain. C'est complètement con. Hein. C'est moins bien que Man vs Wild, ce qui est quand même fou. Parce que... Voilà, mais c'est débilement con. Non, je veux dire, c'est même pas, tu vois, genre, c'est tellement naze en fait, t'arrives même pas à vraiment t'en moquer, je trouve. Tu peux même pas lancer la série en mode on va en rigoler, tu sais. Même pas de Blasphemous, bah non, ça a été voté contre, je sais plus, 30 voix contre 24 environ, c'est ça. Médecins sans frontières, Prout 2009, support 2019, bah, pff, les gars, moi ce jeu là j'y étais dès qu'il est sorti, donc 2019, Médecins sans frontières,
cassez-vous. Cassez-vous bien, en fait. J'étais là bien avant. C'est mon turf. Il faudra passer par moi pour mettre notre petit logo sur le jeu. C'est pour ça qu'il est pas en bonne qualité, d'ailleurs. Qualité, puisqu'on est là. Je sais pas pourquoi je vais donner l'option. On a déjà joué l'autre fois, ça va être très bien. Wintermute. Donc nous, est-ce qu'on peut voir un petit peu où on était? Alors... la musique est sweet. On appelle ça un rocher. 31 contre 25. C'est pas mal. Raikour est toujours salty. Ça fait des années que je le vois être triste et salty. Et il continue. C'est pas vrai. Je vois juste être salty, je le vois pas être triste pour être honnête. Emplacement dehors. Ok. C'est genre, ça peut être n'importe où presque sur Terre. C'est bien, c'est pas genre 99,9% de la planète qui est dehors. Survivant compétent. Voilà, merci de le reconnaître. Ah, la musique là. Paradis perdu. Prends des notes, hein, Chio, sur la musique là. Vu qu'il est en étude de jouer avec des conneries pour faire du bruit. Prenne des notes un peu là-dessus. Progression de l'épisode, 90%. On n'avait pas fini l'épisode? Shit. Pourtant, on avait passé le truc et tout. Ok, bon, je vais charger. Retour, reprendre. Comme ça, c'est lui qui choisit. À mon avis, il va prendre la sauvegarde automatique. Connaissance casu de jeu. On m'a dit qu'il était dur, c'est un jeu de casu, excusez-moi. J'ai cru qu'il faisait tellement froid que j'étais en train de me briser. Mais non. Ça va, il y a toujours Dieu qui est là. Mathusalem, pardon. Même chose, en fait. Je me rappelle plus des touches. C'est crème. Bon, fort ou c'est moi? Je sais pas. J'ai aussi froid que dans le jeu. Je sais pas comment il fait lui pour avoir des gants de conduite là, même pas des vrais gants. J'ai mes gants là en vrai. IRL, chez moi j'ai mes gants. Tellement j'ai froid. Bon, ça va, ils sont tactiles donc heureusement je vais pouvoir jouer parce que. Le problème des gants pas tactiles c'est que tu peux rien toucher en fait. T'es comme un fantôme finalement. Bon, allez, on va avancer un coup. Tasse de café, je prends. Il faut faire clic pour parler. Non, je l'ai déjà trop parlé, je pense qu'il veut plus me voir là. J'ai entendu mes blagues. J'ai chaud, j'ai pas faim, j'ai pas froid, ça va. J'ai un peu envie de dormir, mais tranquille, on est bientôt à la fin de l'épisode, alors j'ai juste envie de rusher ma race. Je comprends pas qu'on l'ait pas fini l'autre fois. Tranquille, Rodino. Sur trop fort là, j'ai un peu baissé. J'ai donné un coup à l'arrière de la nuque. Je pense que c'est l'arrière de la nuque. Ça veut rien dire un peu, non? On peut pas sauter, j'ai essayé de sauter, c'était très peu malin de ma part. Là-bas, il y a peut-être quelque chose, tu vois, genre un easter egg, un truc secret à trouver, mais bon. Je vais peut-être devoir y aller. Non, je pense pas. Là, je pense que c'est juste un panorama. À mon avis, on peut plus réutiliser les cordes. Il me semble que je l'avais laissé là-bas, non, la corde. Je l'avais utilisée une fois et puis elle était dead. Alors que là, tu vois, c'est l'air prometteur. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un flashback de... Oh, mais bordel, non. Si, c'est prometteur, ça? Pas par là, ok, faut que j'aille. Absolument pas, faut que je monte. En vrai, non. Là, peut-être, je vais essayer là encore. J'ai aucun souvenir. I have no memory of this place. Dawn 932, je sais pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est tellement je suis à l'ouest, Suncorn. Bah, casse-toi, Kanagi, hein. Faut que je te dise. Casse-toi. Salut, Elementa 22. Je suis en virée mentale. Mental. Là, ça va pas le faire, là, chef. On est d'accord que mon but c'est d'aller là-bas ou pas? Même pas sûr, hein. Regarde là-bas, la map elle se termine donc. Moi j'étais parti de ce constat-là, mais. Et ce cadre éternel. En fait, il faut que je monte là-bas, je pense. Pas trop le choix. Tiens, c'est l'endroit où on s'attendait pas à ce que ce soit là-bas, tu vois. Moi je m'attendais à continuer de descendre, mais non. Merci Dragonir, ça fait plaisir. Content que ça te plaise toujours 11 mois après. Je connais pas ce jeu, il y a des luges. Putain, j'aimerais bien qu'il y ait des luges dans ce jeu. Bah peut-être qu'il y en a, remarque, hein. Ils ont fait tellement de mises à jour que... Tiens, alors ça, les pas dans la neige, j'ai toujours trouvé ça cool. Mais à la fois extrêmement... inutile. À part dans les jeux où elles restent, en fait. Genre si les traces de pas, tu vois, elles restent dans la neige longtemps, c'est utile parce que tu vois... T'en servir pour te repérer et tout, savoir où t'es allé. La grotte, ça va être la grotte direct, je sens. Mais les jeux où t'as juste les traces de pas dans la neige qui disparaissent au bout de 2 secondes, si tu veux. En général, c'est pas des jeux où c'est utile, quoi. Mais bon, on s'en branle, non, ce que je dis. Oui. Mais Xanagi, t'es toujours là, t'es censé te barrer.
C'est super méchant dans la plate. Sur un poil trop fort le son. Oui, je le baisse encore un peu. On y est encore. Wonder if this is any good to eat. J'étais pas genre beaucoup trop chargé, si, regarde. Et pourtant, regarde-moi. Sac de couchage, j'en ai déjà un. 76%, moi je suis à combien là? Avec le mien, je m'en suis pas servi donc. A priori. 79%, c'est mieux hein. Boîte chauffage, j'en ai un peu rien à foutre. C'est pas du tout la grotte hein. Je sais pas quoi elle sert cette putain de grotte. Je sais pas le mec pourquoi il a laissé ces trucs ici mais. Laisse le faire. Je suis pas assez fort mais je peux monter ma voix, c'est juste qu'après. Tiens, regarde, j'ai monté un peu. Oh lapin! J'ai pas une pierre à lui lancer sur le coin de la courge. Non, ça sert à rien, ça sert à rien. Calmons nos envies de meurtre. On n'a pas besoin, on est trop chargé déjà, on a trop de bouffe, trop de trucs. Et là, ça va pas être par là. Hein. C'est juste moi qui ai pas vu par redescendre. C'est ça qui va se passer. Ah si, peut-être là-bas. J'ai un peu de mal à voir avec les. La pierre se ressemble un peu partout. Bon, c'est le cas en vrai aussi, mais je sais pas, j'ai du mal à avoir la profondeur avec cette texture. Mais non, putain, j'aurais pu me reposer dans la grotte, alors commence pas à chialer maintenant. On verra dans les scènes d'action, clairement, il y aura peut-être du bruit, mais les scènes d'action dans ce jeu. Rien que le dire, ça me fait rire parce que. Mais putain, c'est pas un cul de sac ça. Et à Frodon, je laisse cul de sac. Non, à Sam. Putain. C'est Frodon qui laisse. Si c'est l'autre, je sais plus putain. Les deux de toute façon ils laissent. No spoil hein. Mais là il y a un arbre tu vois. Un tronc d'arbre qui traverse et je me dis, c'est notre passage. Gloria. Thème pour un trash. Est-ce que je suis tellement un trash que ça? Je sais pas hein. Je pense que. Ah d'accord, il y a déjà une corde en plus, rouge, que je n'ai pas vue. En même temps, c'est pas souvent qu'on nous fait des faveurs comme ça, si. Oh bah tiens, c'est la bonne excuse ça, on est toujours content de dire ça. Eh bien. Bien tout ça. Eh ben écoute, j'ai envie de dormir et manger pour passer le temps. Et manger, ben, voilà. On va voir si je peux m'en sortir juste en mangeant la. Ah, putain, mais la ration militaire elle a 33%, mais franchement elle fait 1750. J'ai pas envie de la bouffer maintenant moi. Y'a quoi qui moisit ça? Non, c'est du café. Normalement 63% le café ça va mettre un petit moment quand même avant de. Ça pèse rien. C'est pas avec ça qu'on va s'en sortir, mon pauvre fou, va. Pauvre malade. La flotte, tiens. Ça pèse lourd. Mais non, j'ai pas dit ça, Darkblade. T'as mal interprété mes paroles. Quand les journaleux qui... Mais putain, je dois porter 22... Ah mais oui, mais je suis fatigué, c'est pour ça qu'il chiale, bébé Kadom. Si je dors, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Juste, j'en ai pour 3 quarts d'heure à aller là-bas, c'est ça. Je peux le faire courir, hein, quitte à ce qu'il se... fasse une entorse, hein, le bébé, c'est bon. Après là, ça va tranquillement dans le soleil là. Ça on survit au bout d'un moment. Le mec, il a plus de bouffe que moi dans mon frigo. Yo, démon. Tranquille ou quoi? Alors, par contre, ça, je vais bien le prendre, merci. On va aller là. Je me souviens plus trop. Non. Laisse-moi vivre. J'ai arrivé, mais laisse-moi vivre juste. Bon, par là, ça ira très bien, je pense. Mais non putain, je me souviens plus comment. Ah, c'est terrifiant là. J'ai plus du tout les touches en tête. Il y avait une touche pour le craft. On peut au moins être d'accord là-dessus. Putain, mais c'est quoi les touches bordel? Ça va pas être ça quand même. Non. Non. Si quelqu'un se rappelle de la touche, ça va nous... Non, vous rappelez pas de la touche, je vais aller voir dans les commandes, mais j'arrive pas à savoir laquelle c'est. Ok, mais pas de commande. Seems good. Good. Touche. Menu radial, oui c'est space, putain, mais pourquoi j'oublie toujours? En même temps, space. Space, quoi. C'est pour sauter, les gars, en fait. Si je le fous genre là. Accélérant, là, sinon ils vont nous gonfler qu'ils n'arrivent pas à l'allumer, bébé Kadom. Allumette bois. Ouais, vas-y, j'en ai 1000. Ça va du coup, Démon? Ça va tous en fait? Vous passez une bonne semaine pour l'instant? Je peux juste ranger tout. Alors là, par contre, 1h04 déjà? J'avais voté pour l'autre jeu, je me casse.
Je t'aime vite. Quand même au fond, Thomas. Qui c'est qui dit ça? Chrome Lips. Wesh. À la prochaine alors, du coup. See you on the other side. Merci pour le WhatsApp du coup. Charbon peut-être pas quand même, là on s'en fout non? 2 heures de... Parce que là on va dormir longtemps quand même. Hein. Mais je sais pas si on devrait mettre autant de combustible qu'on en a besoin, parce que ça coûte cher quand même. Non, du coup on va le mettre 3 heures, ce sera déjà pas mal non? Il va dormir 3 heures, il sera content Kadom là. Putain. Utiliser. Vas-y, dors juste à côté. Crame pas hein, mais dors à côté. Je vais dormir à 8h là, je le sens chaud. Je sais pas quelle heure il est, j'ai pas vu, tant pis. Ramasser et dormir. On verra si on switch sur Blasphemous, ça nous tente après, mais... Le problème c'est que c'est des jeux très prenants les deux, donc... rien. Là où est-ce qu'on en est là? C'est bon, il a moins sommeil, grison, risque d'entorse. Ça c'est Zergood, il neige, il fait nuit, je vais dormir un coup parce que je le sens bien là. Il fait moins 5 hein, mais c'est pas grave, regarde, on dort 3 heures par moins 5, on s'en branle. Comment est-ce que ça donne ça? Qu'est-ce qui se passe? Si la froid s'arrase. Non ça va, ça n'a même pas tant baissé que ça. Hein. En soi je vais même pas faire du feu en fait. Je sais plus quelle heure il est. Il est... Ouais c'est presque le matin là, je vois en haut à droite là. On voit que le soleil il va sortir. C'est presque autant la nuit que le matin. Matin de Schrödinger. Alors, on va bouffer la ration, tu sais quoi? Putain, ça donne tellement. Allez, dis-moi pas que ça va gâcher. Non, c'est presque parfait. De l'eau. On fait baisser ça, on fait baisser ça, on fait baisser ça. Il va boire combien là? Il a l'air chaud. Il a bu un demi-litre, c'est ça? Ouais, un demi-litre. Au calme. Ça va, on reste pas beaucoup, franchement. Il est dans la modération, c'est pour ça qu'on l'aime. Donc là, je devrais pouvoir monter normalement, c'est ça? Je suis à combien là? 30 kilos. J'ai de la marge, j'ai 4 kilos de marge. On voit que dalle, hein, je vous l'accorde. On va voir un peu mieux quand je vais faire ça, je pense. On fout, je l'allume, hein, franchement. Sinon, on s'en servira jamais, tu sais. Parce que moi, au début du jeu, j'avais le souvenir vraiment de l'alpha où c'était super méchant, quoi. Et où tes ressources c'était très mince. Mais là en fait ça va, en mode histoire j'ai l'impression que c'est moins cruel. Je suis en difficulté normale non aussi, je sais plus en quoi je suis. Ça doit jouer. Et pas qu'un peu. Corde d'escalade, allez on est parti mon brave. C'est quoi ce bruit? On dirait un bruit qui pourrait être dans Agonie. GG, ça doit être tellement horrible à monter ça. Pas que dalle. C'est toujours pas le... toujours pas le soleil qui pointe le bout de son nez malheureusement. On va devoir traverser là. Attends, je vais remettre ça pour vous faire plaisir. Pour vous voir ce qui se passe. C'est pas mal je pense. J'aime bien, ça fait une petite ambiance film d'horreur tu vois. 30 jours de nuit. Et d'ailleurs je lisais la BD qui a inspiré le film là. Bah c'est pas ouf. C'est pas ouf je trouve. C'est très court. C'est en... Je crois que ça a été lâché en deux parties ce truc là non à l'époque. Mais c'est vraiment pas long. Et c'est... Ouais c'est pas plus... Je pense que le film en fait est limite mieux. Que dalle. Bon j'ai encore de quoi faire du feu ouais il me semble. Du charbon. Mais est-ce que je peux allumer un feu avec le charbon? Mais je croyais moi qu'on descendait pour aller dans la vallée encore une fois, mais pas du tout. On contourne juste un passage, c'est ça? Il commence à faire froid. Alors ça... Hop, j'ai gelé depuis combien de temps c'est là? Parce que moi je le prends, mais tu sais... Prendre ça, non, c'est ça qui est bien. Oh le froid, regardez le froid, regardez le froid! Je me gèle, c'est parti. Ouais, le nouveau jour là, je veux bien qu'il se lève. Bon, alors j'ai extrêmement froid, est-ce que. Je fais un feu tout de suite ou pas? Ma vie elle va commencer à descendre là. Hein. Ouais. On va courir un coup,
Genre d'avancer, voir s'il n'y a pas une grotte, un truc qui sort d'être un peu mieux quand même. Je lui ai dit de s'accroupir sans doute. J'ai l'impression qu'il se couchait quoi. Je sais pas trop ce qu'on fait, je me souviens plus. On voulait rejoindre. Enfin on voulait retrouver notre. C'est notre femme ouais ça. Ou non, c'est notre ex qui voulait sauver. Enfin, qu'il y avait du matos important à amener, on s'est crashé, c'est ça, ok, je me souviens au fur et à mesure. Et là, on la cherche. Quitter la région de Milton. Ah, fin du premier épisode, non? Putain, on était à 90% quoi. Et là, c'est la grotte. Et là, c'est la grotte dans laquelle il fait chaud, regardez, ma chaleur corporelle remonte. C'est fantastique, j'aurais pas cru. Faut pas se souvenir que les grottes, c'est particulièrement chaud, quoi. Ou pas dans ce genre de climat. Mais bon, c'est vrai que ça doit être plus chaud que dehors. Ça doit lui faire chaud quoi. Miaou, 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 miaou. Je pensais qu'il y a des grands tactiles ou pas lui. C'est important. Est-ce que je reviens en arrière là ou pas? Oh god, je vais me perdre dans cette merde. I feel it. Il fait très très chaud. Carcasse de lapin. Très peu pour moi, merci. Je vais prendre la boîte de chauffage. Et c'est du charbon. Putain, il y a du charbon laissé comme ça. J'y crois pas trop. Le jeu est. Tant qu'ils ont fait de l'équilibrage là. Pourquoi il y a du charbon comme ça disséminé par terre. J'ai pas trop vadrouillé hein, dans ma vie. Mais j'ai jamais trouvé de charbon comme ça. Une boule de charbon par terre qui m'attendait. Salut Carasson. Voilà, tranquille. Un demi-litre à cette température, il fait confiance à sa vessie. Putain, mais je peux pas vraiment éteindre, mais en même temps. J'ai 67 allumettes, les gars. On va finir le jeu en s'éclairant qu'avec des allumettes, hein, moi je vous le dis. Je me souviens plus si tu viens de là. Je pense pas. Je sais pas comment il fait pour pas se cramer là. Attends, je viens peut-être. Non, y a pas de lapin. C'est de la merde de s'éclairer avec ça. C'est une idée de merde. C'est une idée de merde. Je vais ressortir la lanterne. Quoi qu'il en coûte. Ou alors. Regardez. On va se faire plaisir. Ça, c'est un. Ça, c'est un kiff. Ça, ça c'est un kiff. De s'éclairer avec ça. Et en plus, ça rajoute une couche de creepiness, tu vois. On est pas bien d'un coup. Hein. Ah, mais on a une autre là. Parfait. Jusque-là, les dieux me soutiennent. Pas de classement des comédies romantiques ou des peplums ce soir, non. Tiens d'ailleurs, à chaque fois que je repense ce stream, déjà je vais rire. Et puis je me dis, il faudrait que je poste les tops qu'on avait fait sur Twitter pour laisser une trace, tu vois. Si tout le monde s'en branle concrètement. Quitter la grotte, bon. Ok. C'est une expérience assez plate, cette fois. Oh, putain, rip. Rip, rip, rip. Prends le fusil. Et si j'en avais déjà un, j'aurais pris un akimbo, tu vois. J'aurais fait un akimbo avec le fusil. Ok, bah de rien, ma gueule. Fin de l'épisode 1, du coup. On passe à l'épisode 2. Non, on arrête le stream, merci de regarder, on a fini l'épisode, c'est bon. Oh! Une intro encore. Apprivoise-le, j'avoue. C'est pas moi. Est-ce que c'est la même que tout à l'heure? Enfin, tout à l'heure, il y a deux semaines, quoi. Il y a une semaine. Ça doit être la même, non? Elle est tellement tryhard. Ouais, mais c'est fait exprès, ça, trop bien. C'est comme les séries, là, qui se finissent sur des... Hunger comme ça là, t'es obligé à regarder la suite. Est-ce qu'on peut se spoil là, par rapport à ce qu'on voit? Pour
l'instant, il n'y a pas trop d'indices non plus, mais... On a vu une femme. Est-ce que c'était la... notre ex ou pas? Non, je crois pas. Ça, on sait pas qui c'est non plus. C'est la même chanson. Ah, ça, c'est le mec que je sauve, là. Je bute, lol. Ciao, toi. Je te reverrai plus. Ciao, Bella. C'est peut-être elle, hein. Mais peut-être qu'on va la jouer, hein, aussi. Moi, je le sens. Hein. On va la jouer, non? Mamie gâteau. Pas vraiment mamie gâteau. Si, mamie gâteau, sauf que c'est moi qui lui fais les gâteaux à mamie, quoi. Gâteau, virgule, mamie. Tiens donc un gâteau, virgule, mamie. Raphaël Van Nierop. Le noir un peu long, finalement, au Québec. Gueule de viking, j'aime beaucoup. Who are you? Name's Mackenzie. I'm the one who saved you from the bear. Je sais pas ce que le vent fait taper là, mais I don't think so. But I hate it. Ça va pas être possible. Maintenant, tu vas devoir aller chercher 20 kilos de bois et 50 kilos de nourriture pour lui. Putain, j'avoue, il est blessé. Alors que je l'aide, non? Des médocs, peut-être, mais j'en ai 50 000. Il m'a pris que cette fois. C'est Leonardo DiCaprio, j'avoue. Ils ont fait d'une pierre deux coups avec The Revenant, ils ont fait The Long Dark aussi. Putain, j'ai vu Kojima tout à l'heure dans la série de Winding Refn, là, Too Old to Die Young. Il y avait Kojima avec un katana, c'était fou. J'ai reconnu sa tronche. Can't raise any of the usual channels. I'm not sure why. Well, you'll need some stronger meds to avoid infection. And for the pain. He's some kind of doctor. No. But I've been around doctors enough to know you'll be in trouble soon. Unless you get some better help than I can give you. Yeah. Right. Well... Et après, on retourne sur Deep Rock, hein, monsieur. On retourne miné. There's nobody left to help you there. The town's pretty much deserted. There was a fire. Damn. The next town is days away. I'm wrecked. But if you leave now, you might be able to. You won't last days like this. Must be another way. Someone might help. But we can only reach the radio. So, we're back to where we started. There's gotta be somewhere nearby that might have medical supplies or another radio we can use. You might find some comms gear. Ok. Entracte donc, forcé. What the fuck? Ancient stuff, though. Y'a même pas de message ou rien de Windows. Imagine, ça fait ça au ciné, tu sais. Cassage d'ambiance là. I'll be back as soon as I can. Soon as I can. Wait. Wait.
Merci pour tout. Non. Le fusil. Putain, mais ça servait à quoi d'aider Maui Gato? Parce qu'elle nous donnait un fusil aussi, non? Encore une fois, je pense, avoir le fusil de Maui Gato au plus celui-là, c'était juste pour faire un akimbo. Ça aurait été dope. Yodrinka. Tranquille. What do you mean unstable? Okay. Damn it. He's passed out. Il doit un peu douiller en même temps le petit là. Je souhaite pas trop être à sa place. Mission piller la maison, mission piller la maison. 73. S'équiper. Équiper. Ouais, ça y est. Deux balles. Ok. 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 Est-ce que je pourrais pas des petits fagotins là, tu vois? C'est, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Bah écoute, moi l'argot, c'est ce que je pensais aussi. Franchement, c'est une pharmacie ambulante. J'ai tellement de trucs à lui donner. Balles, 6, il me faut quoi? Établi à munitions, morceau de plomb. Ouais, bon, on y est pas encore. On n'y est pas encore. Pas très bon pour l'environnement quand même de tirer avec du plomb, mais bon. Passons. Bah c'est le fusil. Il pèse son poids, mais bon, tu les voyais pas se plaindre au Vietnam. Tu me voyais pas me plaindre au Vietnam. J'ai pas un livre là pour apprendre des trucs. Je vois bien qu'il y a du porc au fagot. Fais tout, j'en ai pas besoin. Barre chocolatée. J'ai limite envie de rien loot presque, sauf si je trouve des balles. Je veux bien en avoir, non? Parce que je me dis, tu vois. Casse-toi, j'ai envie de dormir. Je me dis, quand j'en aurai besoin, je sais qu'il y en aura ici. Donc je vais repasser en plus plein de fois. Mais non, pas de coffre pour stocker mes trucs. My key to getting out of here. He better not die on me. Pense toujours qu'à toi en fait, c'est ça ton délire. Je peux viser mais j'ai une durée limite de... Vous avez vu, en bas à droite. Range-moi ça, combien on est là? Oh là, mais ça pèse bien lourd cette connerie de fusil là. Non, hein, non. Non merde, y'en a marre. Merde, j'avance plus, je joue plus. Ça me saoule. Du coup, la map, c'est vrai qu'on a une map dans ce jeu. Je regarde dehors, en plein vent si possible. Bureau du camping, c'est là qu'il faut que j'aille? Tour de guet. Oh putain, non, c'est là-bas. Bordel de cul, bordel. Ben, est-ce qu'on ferait pas par étape, en mode, on va là avant quand même, quoi? Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a de mal à aller au bureau du camping? Ce serait du coup par là-bas? On n'a pas trop... On a la map. Est-ce qu'on a notre endroit? Hein? Si je tourne la tête. Ah oui. Donc c'est abusé. Je dois pouvoir l'enlever dans les options, mais je vais pas le faire. Mais c'est abusé. Pas normal. Ah, j'entends. J'entends. J'ai 30 kilos sur moi. Et franchement, au biré vert, ça dégage, mais vite. Hein. Ça change de zone un peu, non? C'est plus boisé, mais il fait une froideur là, non? Froidante, glaçante. Abomifreux. Yoza Messia. Du bois ça, non j'en ai pas besoin, je veux pas ton bois. Je suis ma propre personne, maman. Saturne 932 non plus, ça te parle pas. Aucune idée. Ouais, je regarde. Et je contourne la pierre à gauche. Non mais vous rigolez, mais... Des considérations importantes. Moi j'aimerais bien adopter l'ours, clairement. Ce serait notre familier comme dans Monster Hunter. Est-ce que le vent me ralentit aussi quand il est violent comme ça? Aucune idée, hein. Je sais pas si c'est pris en compte. Je suis toi le prochain loup que je vois, il va payer pour tous les autres. Bah disons que ils m'ont pas fait grand chose parce qu'ils ont peur quand tu leur lances des cailloux donc. Tu vois je sais pas si ça vaut le coup de. Il me faudrait une pierre là hein. Ça vaut pas le coup de lancer un... enfin de tirer une balle sur un loup non? Tu sais que tu peux lui lancer un caillou pour qu'il se casse. Bon peut-être qu'après tu vois au fur et à mesure il revient et tout quand tu lances un caillou. Alors quand tu lui tires dans la jambe à mon avis il revient pas quoi, mais. Je sais pas hein.
No sé, mi amigo. J'arrête pas de regarder la map, je sais, mais c'est, voilà, hein, c'est comme ça en fait, c'est mon stream. C'est passé par là. Est-ce qu'on peut glisser là et se boiter comme dans Miasmata? Je ne pense pas. Est-ce que je peux me faire une entorse parce que la pente est trop raide? On ne sait pas non plus. Putain, le ciel, on dirait qu'il est peint par Bob Ross, quoi. C'est le même style. Si tu lances un bâton, il le ramène. Y'a moyen, hein? Putain, mais oui, adopter un loup. Ça. Ce serait cool, ça. Après, on se fait un traîneau. Oh, ça commence par un. Zone piégée. Ok. Bon, bah, du coup, je vais pas faire attention à un jeu, t'inquiète pas. Je vais faire comme si j'avais pas lu ça. A mon avis, c'est pas piégé pour moi, c'est piégé pour les animaux. Non, je vais me prendre une, un truc dans la courgette, tu vois. La courgette. On y est presque. C'est pas si grand que ça au final. Ça va le faire. J'arrête pas de courir, je vais me faire une entorse, ça va être magnifique. Je m'en fous. Je suis comme ça. Vivre, c'est un risque en soi. Je fais que le prononcer un peu plus. Il va finir par récupérer le caillou pour te le ramener. C'est ça? Quand je vais lui lancer dans la tête, ça dit, il va peut-être comprendre que je pourrais pas faire ça là. Le pauvre. Le pauvre. Il ne mérite pas ça. J'ai cru entendre du bruit derrière moi, mais je crois que c'est juste mon barda. Je vois absolument plus de pierres. Aïe. J'ai pété l'arcade. C'est quoi ça? C'est de l'acrobranche? Ah non, c'est des lignes écrites. Ça a plus de sens, ça a plus de sens, vous me direz. Mais est-ce que c'est mieux? Non. L'acrobranche, c'est pour toujours. L'électricité, c'est éphémère. La preuve, hein, il n'y en a plus. Il n'y en avait plus à Milton. Alors que l'acrobranche, je vois pas comment ça peut s'arrêter, tu vois. Les plateformes, elles restent. Et si je suis ça, après, j'arrive ouais, où je veux aller. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. On va peut-être aller voir ce qu'il y a là dans le... C'est quoi le truc du vieux campeur ou je sais pas quoi, hein? C'est le magasin trop cher, c'est ça? Le vieux campeur, là. Hein? L'aquabranche polaire. C'est ça? J'ai pensé à Betrayer, j'avoue, Betrayer. C'est marrant qu'il nous ait autant marqué, ce jeu-là, alors qu'il était pas incroyable, hein, mais... Il était bien fait, quoi. Il avait une arme. C'est pas le cas de tous les jeux. Ok. C'est la porte qui s'ouvre pour moi en mode film d'horreur. Bah j'y vais quand même. Mystery Lake, Lac Mystère. On est au Québec? Je me rappelle plus où on est. On est au Canada, non? Je sais pas où. Dans le nord du Canada, non? C'était... Il faudrait tuer le Viking DiCaprio et envoyer les morceaux pour amadouer l'ours. Mais ça, c'est la méthode horrible. Mais y'a trop de trucs, y'a trop de trucs. La pêche blanche, allez, je prends. Fouille à glacière. Aïe, aïe, aïe. Thank goodness. Non, je laisse. Je laisse. La lampe tempête. Alors, le truc de la lampe tempête, c'est que... J'en ai déjà une, tu vois. Mais peut-être qu'il y a plus d'huile dans la tienne de base et du coup, j'aime bien. Elle est à 36% ma lampe tempête, c'est un peu de la merde. Je peux pas la recycler. Non. Pas la ravitailler, ouais. Il lui reste un peu quand même. Ça me ferait chier de la laisser, mais d'un autre côté, c'est trop lourd en fait. This'll come in handy. C'est de la merde, elle a encore moins elle. Bon, ceci dit, elle a à 0, elle a 91% de durabilité, donc je vais la prendre quand même. Tant pis pour l'autre, c'est pas comme si tous les jours on avait besoin de la vie du parc. C'est pas comme si tous les jours on avait besoin de ces trucs là. Vu la météo particulièrement froide cette année, nous avons fermé le parc. Super. Bah écoute, j'ai lu tout ce que j'avais besoin de lire. C'est pas pourtant que tu vas le faire. C'est un écran 50 pouces. Un clavier géant. C'est immense. Gâteau. Livre. Non. C'est pas un livre d'initiation, j'en veux pas. Munitions pour fusil. Crois pas que ça a échappé à mon petit regard. Alors ça, c'est le genre de truc, si vous le voyez, n'hésitez pas à hurler. Vous allez le faire, vous allez m'en vouloir.
écoute, il y a de la bouffe de partout. Encore une fois, c'est des gens qui mettent leur bouffe dans tous les casiers qu'ils trouvent. Donc moi, ça me dérange beaucoup, ça, comme attitude. Alors avant, qu'est-ce que tu veux leur dire aux bougres? Bon, gaffe-toi, comme jamais tu t'es gavé. Yo, pamplemousse! Et on est où, là? Putain, ça remet rien, ça. Hein. Et en plus, ça donne soif. Mais c'est très bien, ça me permet de baisser mon poids, tu vois. Avec toute la flotte et les machins que j'ai. C'est quoi, ça? C'est du lait. Je vais boire de la flottasse. Jeter un litre, hein? Non? J'étais un peu. Au final, je me suis un peu ravisé, mais bon, c'est vrai que j'en ai beaucoup, ça me paraît beaucoup quand même, 2 kilos de flotte. À la vitesse à laquelle on le descend, en plus, c'est-à-dire très très lentement. Donc, plus soif, plus fin, et je suis quand même en surcharge, parce que j'ai beaucoup de médocs aussi, il faut dire. J'ai beaucoup de tout en fait, tu vois. Là, j'ai un piège, mais. Je m'en fous en fait de ça. La fourrure aussi. Cuir séché par contre. Ça c'est quoi? Fusée de détresse, j'en ai 1000 millions, mais j'ai pas de pistolet de détresse il me semble, donc c'est pas rare l'eau potable, mais en fait on peut la faire avec la neige, donc puis même si c'était rare, en fait il y a les sodas déjà, et puis en plus il y a l'eau potable comme ça, et franchement ça descend pas, hein, jamais quoi, c'est un truc de fou. La tisane, bon ça pèse rien la tisane, j'avoue que ça sert pas à grand chose de la jeter, mais je sais pas trop quoi jeter, tu vois. J'ai des trucs, mais c'est des médicaments quand même, l'antiseptique, je vais pas jeter l'antiseptique, si. L'analgésique, j'en ai beaucoup. C'est quoi, des allumettes? J'en ai des milliards, des milliards de millions. Des trillions d'allumettes. Et du bois, j'en ai une quantité astronomique. C'est ça en fait qui me retarde, qui retarde toute l'équipe. Tu retardes toute la classe. Ça va mieux d'un coup. Non, ça va pas tellement mieux que ça en fait. À 29-38. Ok. Oh, ça vaut le coup quand même de fouiller. Au pire, jette toute l'eau, tu vas te désaltérer au soda comme un vrai américain. J'avoue. Mais il est pas américain, donc j'ai envie de lui laisser une chance dans la vie. Une hachette qui est à combien de pourcents? 79, sachant que la mienne est moins, non? Ah non, allez, hop, je dégage. Vous voyez ma petite, mais c'est comme ça la vie. Marche ou crève, souvent tu crèves. Ça c'est précieux quand même. Hein. Ligne. Ça aussi. Allez hop, on trouve tout au même endroit. Il manque plus que la canne, mais peut-être que je peux me la faire. Tissu, non merci. Bois de récupération, 9. Ferraille, chaise, table. Trousse de secours. Putain, mais ça. Non, je fouille pas. Je ne fouille pas la trousse de secours, je refuse. Nécessaire à couture. Windows qui me parle. Combustible pour lampe. Now we're cooking with gas. Vas-y, tu vois, il dit quoi l'établi là? Paras, il dit quoi l'établi? Hameçon matériel de pêche, mais j'ai déjà, ok. En fait, on va pêcher à l'ancienne, on va juste attacher les trucs sur la ligne et comme ça quoi. À la main, à la mano. Un hameçon, une ligne et je fais un matériel de pêche avec. Ben, vas-y, regarde, fais-le. Je peux pas recycler ou craft quelque chose d'utile, bah écoute. Je regarde un peu, mais à mon avis, il manque des trucs à chaque fois. Là, les pansements, j'en ai beaucoup, je crois, donc... Je vois pas trop l'intérêt. Et le reste, non, mais je pense que j'ai trop de bouffe, en fait, parce que le jeu te fait peur à ce niveau-là, du coup, tu entasses la bouffasse, quoi. C'est ce que je veux dire. Tissu, non merci. En fait, j'attends toujours que ça devienne vraiment chaud, et pour l'instant, ça, c'est pas le cas. Mais j'aime à penser quand ça va me tomber dessus, tu vois, je serais prêt à l'accueillir. Fouiller la poubelle, on sait jamais, des fois ils ont jeté un truc important. Thermique? C'est un survêt, frère. C'est un yoga pants. Yoga pants. Oh, un vrai lit. Deux vrais lits, magnifique. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un vrai lit? Je ne sais pas. Chaussettes de sport, on s'en branle un peu, je t'avoue.